Bonjour, ce mois-ci il y a eu les caméras, le montant pour la collecte des déchets et le budget. Je vous explique tout ça après ça. Voici le résumé du conseil du 30 novembre 2021. Après les communications du bourgmestre et les points sur les intercommunales, nous sommes passés au point sur les caméras ANPR fixes et temporaires pour la police boréenne. Ensuite, le point sur l'approbation des conditions pour la démolition des bâtiments rue des Vallées et place du Hameau, l'allocation de fin d'année du personnel communal et le renouvellement de la taxe pour les déchets 2022. Le groupe C+ a voté contre. Pour rappel, je vous ai mis sur le site golimbo.com un calculateur qui vous permet de connaître ce que vous coûte réellement vos déchets par année. Après, nous sommes passés au point sur le nouveau règlement pour les forains, ainsi que le point sur la redevance pour leurs emplacements jusque 2025. Le budget de l'ADL qui organise d'ailleurs avec les commerçants une grande action de promotion, j'en ai profité pour demander le nettoyage de la signalisation à l'entrée de la commune qui fait mauvais genre pour le zoning. Pour terminer les points, par le budget qui, comme les années précédentes, ne nous convenait pas. Si l'on retire la rue des Alliés, la rue Clémenceau dans le futur, les suppléments et indexations pour la police, pompiers, etc., et le placement d'argent pour le futur complexe administratif qui devrait voir le jour, j'espère, avant 2030, rien de vraiment extraordinaire. Comme à la fin de chaque conseil, j'avais des questions. Ma première concernait le taux de vaccination du personnel au Home Jolibois. Le bourgmestre n'a pas voulu me répondre, me renvoyant vers les élus du CPS. J'ai ensuite demandé que la statue qui a déménagé soit éclairé ainsi que l'horloge de l'église de Wam. La statue, c'est en cours pour l'horloge, il ne veut pas. C'est donc une horloge de jour. Nuit, jour. Ma dernière question concernait les sondages sous les voiries pour le passage de la ligne haute tension enterrée. Lionel avait une question concernant les subsides UREBA pour le côté économie d'énergie des bâtiments communaux et Cécile a demandé les chiffres exacts concernant la vaccination de la population. N'oubliez pas, je travaille pour vous avec plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt.